Et salut à tous, c'est Exerm, ça y est, on est à la 11e VOD de God of War, nous voici dans le royaume du feu. Est-ce qu'il y a un négatif qu'on puisse dire sur l'aspect graphique du jeu? Pas grand-chose, il y a des petits soucis d'ergonomie et d'interface. Pour tout ce qui est visuel, honnêtement, c'est vraiment très 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 impressionnant. Même une zone comme ça qui est d'un classicisme fou dans la fantasy, je suis sûr qu'ils vont réussir à m'arracher. Deux ou trois, c'est ouf avant la fin. Ah, c'est Izalith. Vous avez trop d'imagination, il y a des zones de feu dans tous les jeux de l'univers. Il faut la glace, le feu, l'eau, tout ça, les éléments. Voilà. Ah, regardez, même la lave. Il y a de la lave partout. J'ai pas eu des soucis des fois pour voir le logo rond. La touche ronde, tu veux dire, Kaizen? Non, j'ai pas vu ça. Rigolo que tu t'appelles Kaizen, c'est comme la clé dans Event Zero. C'est Kizen, exactement. Kaizen, je crois qu'il le prononce. Bon bah, let's go to Izalith alors. Non, mais ce souci du détail de partout, quoi. Il y a des fumoirs, il y a des gaz, il y a des vapeurs toxiques. Même les petites cendres là, les petites particules, elles sont trop choupies, mimi, quoi. Quand on aura sur la prochaine génération là, le ray tracing en temps réel, des zones comme ça, là, le remaster de God of War, il va être incroyable. Muspelheim. Ah, c'est vraiment la montagne de feu, quoi. Ah, j'ai pas tout visité à Alfheim. T'as une quête, toi, non? Here, boy. Another one. Ah. This one's called Sewer Turret. Must be a fire giant. Makes a flaming sword. Une épée enflammée, je veux. Je veux. Donne-moi l'épée enflammée. Boy. Ah, le feu c'est beau, ouais. Dangereux aussi. Ouais, ok. C'est incroyable. C'est le truc le plus classique des jeux. Et ouais, c'est ouf. La lumière et tout là. Voilà, les mecs, c'est des malades. Hop, je vais sauter devant la lave. Bah ben. On escalade la montagne ou pas alors? Allez le coffre là. Non mais regardez, regardez les teintes en fait. Ouais, c'est pas mal du tout. On est sur pro là, Fabellion, mais je joue en mode perf, donc je joue à 40-45 FPS. Pour l'instant, il n'y a pas d'ennemis, mais à mon avis, ça va pas durer. Voilà, regardez. The voice. It's just around this corner. Oh. It's a great big sword. It wants to know if we're ready to train. Yes, c'est la reine. Bah ouais, bien sûr. Terminer l'épreuve pour déverrouiller le... La reine suivante. Putain, génial, c'est des épreuves. Ah, j'adore ça, moi. Alors, acceptez le défi pour vous échauffer. Bah, vas-y, on accepte. On est ouf, nous. Prepare yourself, boy. Yes, sir. Boy.
Ah ouais, si t'avais pas encore vu les combats, Valentino. Valentinon. No. Valentino. Bah oui, Valentino, ouais. Allez, dans la lave. Ouais, quand même. Il va se loot. Ah merde. Allez gamin, ça y est, il est né avec les loot box, tu sais. Oui, je pense qu'il y a une grosse différence, genre. En vol sec, ouais. Qui doit être plus dans la quantité de détails que je peux voir, forcément. Mais bon, vous voyez quand même l'essentiel du jeu. Hein. Y a un autre défi ou pas? Moi j'en veux plus. Allez, deuxième niveau de défi. Tu vas voir. Enchaîner les éliminations. Bah ça tombe bien vu que je fais que des éliminations. Ah oui, non, il faut que je les tue en fait. Voilà. Boum. Merde. Ah, attends, faut que je les tue l'un avec l'autre en fait. Ouais, là on va la tuer.
à la mettre à mid-life, même moins. Ça c'est très bien. Allez, c'est parti. Alors ça, ça va être chiant. Ah oui, les animaux. Ça va être plus compliqué cette vague là. Allez, allez! Ah putain, il en reste déjà 3. J'arrive à les baisser plus de vie en fait. Allez, boum boum. Ah putain. Ah fléché, j'avais réussi quoi. Ça y est. Pfff. Mince, c'était chaud. Braise ardente, d'accord. Another gate opened up. Ah oui, en fait, c'est vraiment l'île à Rennes, quoi. Merci tout le monde. Enfin, à mon avis, je sens que le prochain défi, ça va être un peu plus compliqué. So, nobody lives here, do they? We should explore further. Ah, mais s'il y a forcément quelqu'un au bout. Un truc bleu là, parce que c'est, mais il y a un truc.
retourner à la maison. Alors c'est quoi le truc bleu que j'ai vu là? Ah oui, c'est le TP de la zone d'après là. Alors c'est quoi là? Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'ai plus de vie et personne m'en a redonné jusqu'à présent. C'est assez désagréable, je tiens à le dire. Eh ben, bon courage le druide. Si je gagne l'épée à la fin, je suis content. Vas-y. Preuve de survivre 5 minutes. Ok. Bon bah allez, c'est parti. Alors, est-ce que les ennemis... Attends, parce qu'il y a une manière en général de cheese ce genre de truc, c'est que les ennemis apparaissent quand j'en tue un autre. Non, les ennemis a priori apparaissent au fur et à mesure. Bon, on va y aller en mode bourrin. Si je chope de la vie, ça devrait bien se passer. Ouais, ça défoule bien. C'est ça qu'on veut en fait, hein. Bêtement. Hein. Allez, boum! Ah merde! J'avais pas vu que j'étais en train de mourir. Allez, on recommence. Il me restait 2 minutes à tenir. Ah, je peux pas survivre? Qu'est-ce qu'il se passe? Il est pas censé pouvoir utiliser sa pierre? Oh là là. Le jeu a planté. Putain, il va se relever. Il va se relever. Oh mon dieu. La résurrection. Ou alors je vais jouer au ralenti à partir de maintenant. Yo. Bon, bah je vais laisser tourner pendant 1 minute 55 multiplié par 10 à peu près. Ah, il faut que vous clipiez surtout le moment où il se réveille, genre.
Ah ouais, non, mais une seconde, ça dure genre 20 secondes, quoi. Ah, ça va plus vite, j'ai l'impression, je me tourne maintenant. Le menu va bien, hein. Le menu se porte très bien, et d'ailleurs, il vous remercie de s'être inquiété pour lui. Ah, j'ai débloqué des nouveaux trucs, c'est quoi ça? Changer de posture après la hache. Ah oui, tiens, j'ai le truc de Lévi... Oh, ça a l'air beau, ça. C'est quoi ça? À main nue visée. Puissant cadavre tournaillante, d'accord. 5 cibles à la fois. Ah, j'ai déjà débloqué. Bon, de toute façon, on avait dit qu'on allait commencer à stacker à ça. Ouais, c'est pas mal aussi, c'est pas mal aussi. Acheter ses pouvoirs au gamin. Ah, c'est 10 000 d'XP pour le dernier. Ah oui, pour le gros rocher, c'est 10 000. Ah bah, on va attendre, je vais le choper, ça va l'air drôle. À tenir pendant 1 minute 37. Bah évidemment, ça va être dans la VOD. Je vous assure, mon esprit de contradiction fait que j'ai envie de voir ce qui se passe quand j'arrive à la fin des 1:34, quoi. Je viens d'arriver, il se passe quoi les pauvres gens? Je vais faire le ménage et je reviens. Putain, c'est con, c'était drôle.
Ouh. Oula, ouais, c'est moche. Hein. Putain, le monde était tellement plus drôle au ralenti. Here they come. I'm ready. Ça suffit maintenant. Ouais, ah oui, c'est vrai qu'ils explosent. Connaissez-vous le Parry King? C'est tellement bon ce système de combat. Sans déconner, ils se sont lâchés mais complets quoi. C'est ouf. Quand tu commences à le maîtriser, franchement. Merde, faut que j'aille me soigner. Merde. Wow, du calme là, tout ce temps que vous êtes. Non. Oh merde, je suis mort. Putain, il restait 2 minutes. Ah voilà, c'était ça en fait qui était pas arrivé. Ah, c'est ça qui m'a tué tout à l'heure, le poison. Ouah, ah merde, je suis mort pour de vrai cette fois-ci. Quel dommage. There's another sword. This must be the next challenge. Plus tard, ouais, tu récupères une pierre qui ressuscite. Bon allez, sortir un peu les doigts. Bon, cela dit, c'est vraiment plaisant. J'espère qu'on pourra le refaire le combat même quand on aura fini.
J'ai beaucoup plus mal avec ça, je crois. Qu'est-ce qu'ils ont? Oh là là. Non. Allez. Putain, 3 minutes, j'ai pas vraiment tenu là. Je viens de faire des esquives dignes de Bloodborne et il me laisse pas. Hey Molan, merci pour ton prime, désolé, j'avais même pas entendu, tu vois, j'étais tellement pris dans le combat. Boum. Oh putain. Allez. Allez. Non, bien joué. Bien joué, moi. Je suis content.
Ouais, alors ça, en mode God of War, il va falloir s'accrocher à son slip, quelque chose de vénère, parce que t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Merci tout le monde. Alors, je sais pas à quoi ça sert la braise ardente, mais j'ai hâte. Allez, peur de rien. L'ennemi régénère rapidement. Sa santé, d'accord. What? Ah ouais, bah du coup faut que je les... Ouais, j'ai pas le choix, faut que je les tue comme ça en fait. Ouais, faut que je les tue que comme ça. Boum. Ouais, je suis que en difficulté normale. Bon, en gros, ça, c'est ça tombe bien, c'est vraiment l'épreuve faite pour moi. Ça va. Les loups, ça va. Alors eux les loulous là. Boum, regarde ça là. Allez hop dans la lave avec les autres. Plaisant, sans déconner. Comment tu vas revenir à des trucs comme ça après? Pourquoi je lui ai pas fait de dégâts? Pourquoi je lui ai pas fait de dégâts? Allez, dans la lave. Ah merde! Bon bah faut que je le jette dehors là. Vous avez d'autres pour moi. Excellent, il l'a foutu dehors. Boum, allez, dehors toi aussi. Chou chou.
Ah oui, c'est ça. En fait, ils t'apprennent tout, là, dans ce défi. Ouk. 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 Ah oui, alors eux, ils ont... Le bouclier, boum. Non. Allez. On est vraiment fort à Atreus maintenant. Bien sûr, tu croyais quoi, toi? Continue, hein. Ça vous va? Je continue à faire les trials. Ça va être le quatrième là que je vais faire. Il y en a combien en tout, Kaizen? 5? C'est bon à savoir. Keep breathing in ash. Do you feel sick? No. No, it's just weird. Six. Bon, bah, j'ai fait la moitié alors. À mon avis, les derniers, je vais peut-être pas pouvoir les faire dès maintenant. Enfin, peut-être que je revienne. Est-ce qu'on sauvegarderait pas? Parce que justement, je m'en servirais. Vous voyez, j'ai fait des sauvegardes quasiment à tous les différents endroits parce que je pourrais les recharger quand je voudrais faire des captures de gameplay sans ma tronche ni ma voix pour faire ma vidéo de fin. Ah, il y a 6 défis en tout, c'est ça? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tuer les soldats? Merde, j'ai pas compris. J'ai pas lu. Faut que je fasse quoi? Pas écrit. Ah. Ah oui, l'élite est invulnérable. Il faut que je tue ses copains. What? Mais j'y vois plus rien. Careful!
Ah merde, ça me tue ça. Ah oui, je peux pas l'arrêter. Je pense que je vais mettre les runes anti dégâts d'elfe noir, exceptionnellement. C'est donc à ça que ça servait. I wonder how many of these there are. Oh, it's six. The voice says six. Excellent, il m'a demandé. C'est génial, ils se sont vraiment amusés à répondre aux questions que les joueurs pourraient se poser, quoi. Ready? Ready. Allez, plus de deux. Tiens. Zéro. Allez, on est reparti. Merde, il y a un allié. Merde! Oh non, je me soignais. Ah, oh, je suis dégoûté. Je peux pas le... Ah oui, puis je peux pas le reguérir du coup. Bon, celui-là, il me saoule un peu. Si j'ai quelque chose que je pourrais améliorer, mais...
Pas mal ça. Voilà, on va améliorer ça déjà. C'est pas mal ça. Pas de sabre enflammé, non, pas encore. Bon, on va déjà essayer comme ça. Et on va voir petit à petit. Sauvegarder ici. Ça va, t'avais pas beaucoup de différence, t'avais un niveau de plus Kaizen, c'est tout. Voilà. Allez!
Merde. Oh non, il y a une sorcière. Oh non, ça c'est pas sympa. Enfin, j'y vois rien en plus. J'y vois rien et il y a une sorcière. Alors que je la fasse comme ça, je peux... Oh non! Putain, ça passe à travers ma garde. Bon, je reviendrai plus tard. I wonder how many of these there are. Oh, it's six. Parce que là, ce qui m'a amélioré tout, niveau 2, niveau 2. Peut-être mettre un truc. Je sais pas ce que je pourrais mettre en fait. Parce que je peux pas résister au truc aveuglant là. Les flèches électriques, ça marche mieux, tu crois? Que là j'ai pas grand chose de plus à améliorer quoi en termes de skill, tout va bien quoi. Ah, c'est prévu comme ça quoi, là en fait il est pas fait pour se faire toucher le petit gamin. Ouais, j'hésite à mettre justement la rune de soin plutôt que la celle-là. Le problème c'est que je peux pas l'améliorer. Il faudrait que je revienne en fait, faudrait que je retourne au magasin et tout, et là c'est la méga galère. Bon, on va essayer comme ça. Ah, ça stun carrément les ennemis. Bon, bah écoutez, on va s'entraîner. On va le refaire. Ready? Ready. Ah, ça leur fait rien. Voilà. Non, ça aurait été insupportable le local. Tu te trompes en fait, ça aurait été la pire idée de l'univers. On va faire lui alors. Non, ça c'est le méchant. Merde.
Merde. Est-ce que j'ai contré là, mais... Oh non! Putain, mais on n'y voit rien aussi. Ah, j'y crois pas. Ah là 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 là. Putain, ils savent vraiment pas faire du challenge. Intéressant. Oh, putain, c'est dommage. Bon. Qui est là? Ça fait déjà une heure. Écoutez, j'ai quand même bien avancé. Ouais, je réessaye une dernière fois. Ça me fait chier là. Ouais, moi aussi, je pensais avoir pareil, mais. Faut que je gère mieux ma vie. Hein. Merde, je croyais que j'avais appuyé à temps. Allez. Ah, il faut que je me rappelle qu'il le fait deux fois. Thank you.
Oh merde, il a une nouvelle attaque. Je connaissais pas. Merde, putain. Merde, ah oui, il passe au travers. Allez, tue-la, tue-la. Non, putain. Oh, j'ai pas de pierre. Putain, j'avais esquivé en plus. Oh, ah, c'est chiant. Allez, hop. Se casse. Bon, je reviendrai quand il sera pas minuit. On va faire ça, je pense, peut-être demain après-midi. On va les défoncer. Je vais surtout aller me racheter une pierre. Parce que là, c'est la galère. Mais obligé de me retaper tout le chemin. Franchement, c'est vraiment pas sympa. Bon, c'était pas déjà assez chiant comme ça. Puis niveau 3. Bah là écoute, je viens de faire plein de défis là, c'était très cool, Gamal. Bah oui, mais il y avait la seule TP qu'il y avait, il fallait que je revienne à cet endroit là, et c'est chiant de se taper des... Ah oui, je pourrais revenir aux arènes, ouais, bon déjà ça c'est une bonne idée. Oui, c'est un elfe noir, ouais. Non mais juste le fait de me retaper l'escalade là que je viens de faire, ça me faisait chier. Non, il faudra que j'en fasse juste cette, ce défi là. Let's get you squared away, then. Ah bah voilà. Pouvoir commencer à faire des armures un peu coolos là. Force défense récupération. Chance de créer un bouclier enflammé qui inflige brûlure aux ennemis et protège des interruptions en cas d'attaque. Quand vous subissez des dégâts, chance modérée d'obtenir aura de feu qui augmente la force et restaure un peu de santé. Équipez l'armure de souffle ardente complète pour augmenter ses chances. Putain, là, il y a mon premier set. Des dégâts de brûlure percutant aux ennemis quand vous subissez des dégâts. Non, ça je m'en fous. Créer un bouclier qui inflige brûlure aux ennemis. Ça je m'en fous. Non, il vaut mieux que je fasse celui-là en fait. Et il y a deux emplacements d'enchantement. Dans la classe. Qu'est-ce que j'ai comme truc? Ah ouais, j'ai des talismans spéciaux. C'est quoi ça? Invoque un puissant maelstrom de Muspelheim qui empêche l'ennemi d'interrompre les attaques de Kratos, réduit les dégâts subis et inflige des dégâts normaux et des dégâts de brûlure aux ennemis à proximité. Ouais. Genre, ok, c'est la teuf. Ça c'est quoi ça? Faible chance d'obtenir un atout colère enflammée à chaque coup réussi. Colère enflammée augmente considérablement la force, restaure un peu de santé et libère une vague d'énergie à chaque attaque normale. Ok. Son. Je peux lui faire son armure à lui. Ah bah oui, tiens, j'aurais dû lui faire ça. Attends, est-ce que j'ai des trucs à vendre ou pas? Non. Ah
Well, what else were we talking about? C'est l'armure, quoi. Non, non, mais je m'en sors, Senzo. Là, franchement, c'est juste une esquive que j'ai foirée à la fin. Mais honnêtement, j'étais bien parti. Hein. Donc, on a dit souffre ardent. Hein. Bah, de toute façon, je vais être obligé de faire ça. Hein. Ouais, ça va être celle-là qui va avoir un bon bonus. Where were we on that other thing? Non, c'est con parce que ça change pas le look de mon bonhomme en fait. Un peu déçu. Braise ardente, simie enflammée. Ah ouais, putain, je vais pas les trouver comme ça. Good to see you sweating the details. C'est quoi ça? Ah ouais, je peux acheter souffle de Tamur, ça fait quoi? Oh merde! Puissante attaque de zone qui inflige des dégâts à tous les ennemis dans un vaste rayon. Vous avez vu ce truc? Ok. Donc c'est un peu la méga violence. Qu'est-ce qu'il faut? Braise ardente, cimier de shirt. Ah ouais, il faut tout quoi. J'imagine qu'il va falloir t'acheter. Ah, je peux acheter un spécial. Un enchantement qui améliore les stats aléatoires et octroie une résistance aux dégâts de brûlure. C'est pas mal, hein. Éclat gelé de Odor. Non, Roar, pardon. Acheter un enchantement légendaire qui offre un bonus de stats aléatoires. Et augmente les dégâts infligés par la rune. Ah oui, d'accord, je vais pouvoir augmenter par rune. Donc ok, il y a bien des items rares et légendaires, quoi. Épique et légendaire. C'est ouf. Hein. Diablo. Diablo partout. Alors attends, je voulais améliorer son armure. What'd you forget? See you next, whereas I see you. Alors attends, parce que là du coup je me retrouve à avoir. Ouais, deux enchantements, c'est la teuf. Well. It's too late now. I, Zigwer, à chaque blocage réussi. Fight by your side. Chaque parade, c'est pas mal ça. Chaque parade, grâce runique. Qu'est-ce que j'ai d'autre? 20% la résistance à l'empoisonnement. Ah mais attends. Non, il pourrait les vider automatiquement. C'est pour ça qu'il me manquait un elfe. Je me disais aussi c'est bizarre, il me manque un truc d'elfe. Bon, il commence à avoir la classe un peu, là, mon Kratos. Hey, Holy Drinker, mon moisiversaire. Ah oh, si, le gameplay est ultra souple, Senzo. Hey, where's your beast of burden? What do you mean? I ate her. Fat bits of her out just a while ago. D'accord. What is wrong with you? What? Ah, elle me manque plus que les gants. Putain, j'ai tellement envie d'y retourner. Allez, on a le temps, on essaye. Boy. Salut Garland. Plus tard. Par contre,
contre, c'est comme tous ces jeux-là, à quoi ça sert d'avoir autre chose que du stuff légendaire? À partir du moment où il y a des bonus de 7, ça rend complètement inutile le reste, quoi. Ah merde, j'ai oublié ma pierre de résurrection. Ah, t'as raison. Je peux pas sortir, je peux pas quitter la zone. Bah ouais. Oh, j'y retourne. Allez, on a peur de rien. J'ai tellement chauffé là, par un saucé par mon histoire d'armure de feu que... Heureusement que vous êtes là. Ah ouais, en plus ça brille genre lave quoi. Ah oui, merde, c'est vrai. Now you're talking. Putain, j'ai pile assez ce qu'il faut. Avec une grande partie de sa santé. Ah, j'imagine que les plus grandes pierres de résurrection, tu ressuscites et t'as toute ta rage ou une connerie comme ça. Pareil avec l'évolution logique. Non, j'ai pas assez pour les camps. Enfin, je crois pas. Non, tu vois, j'ai que 6 braises ardentes, je crois qu'il m'en faut 18. Donc elle fait quoi mon armure? Ça augmente la force qui restaure de la santé quand je subis des dégâts. Ouais, bah c'est parfait ça. Bah, il faut que je réussisse le défi et j'ai le set complet. Voilà. Ceci est mon objectif. C'est re-moi. Bah, j'imagine que tu dois avoir assez de trucs, le jeu doit t'enfiler assez pour que tu puisses te faire tout le set et peut-être même les armes ou les trucs comme ça. Parce que ça serait super frustrant sinon. Avec le nombre de défis qui doit rester après. Hein. Parce que s'il y a 6 épées, ça fait 12 défis, j'en ai fait que la moitié là. Ouais, c'est à peu près ça, t'as raté presque 3 heures, Kenneto. Je reprends vers 21h en général, 21h, 21h30. Qu'est-ce que je pourrais... Faudrait que je trouve un meilleur talisman, en fait. Ah oui, ça augmente la défense lors des blocages. C'est pas mal, cela dit. Ça augmente ma vitalité, ça. Oh bon, regardez celui-là. Allez. Reparti. Thank you.
Merde. Allez là, qu'est-ce que tu fais? Putain. Et pourquoi j'ai pas récupéré de la vie là? Merci. Boum, allez. Merde, ah putain, c'est vrai que ça, je peux pas le parer. Oh non. Oh non, c'est pas sympa, ça. Et tu veux pas me soigner? Oh non! Ah non, c'est bon. Allez, allez, on y croit. Ah non, ah, il y a encore des ennemis. Oh non, ah mais... J'y crois pas. Les salopards. Bah, franchement, il lui reste 7 vies et ils font réapparaître des ennemis. C'est dégueulasse. Ah, j'ai vraiment pas envie de recommencer. Tant pis, on se casse. Allez. On sait qu'on a ça à faire. Ça m'énerve, moi, quand les jeux, tu vois qu'ils aiment pas leurs joueurs comme ça, moi, ça me... Parce que t'es dans le noir, tu sais, tu vois même pas, et pouf, tu vois des ennemis qui apparaissent. Heureusement que t'as la mention à l'écran, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est pas parce que je... Enfin... pas une histoire de talent ou de compréhension des mécaniques du jeu ni rien, parce que je les ai comprises.
comprends ce que disait je sais plus qui là sur les histoires de souplesse, il y a des moments où tu te dis bon putain le jeu il se fout un peu de ma gueule quand même. Bah tu le sens, tu sais, quand il y a des trucs qui sont faits là, qui sont faits pour punir, c'est pas très intéressant quoi. Je suis plus habitué à ces jeux en fait, c'est surtout ça. Parce que c'est vraiment une autre manière d'envisager le GD et c'est vrai que moi j'y suis pas du tout habitué. J'ai perdu l'intérêt pour ces trucs. C'est pour ça d'ailleurs que je joue pas en défi ou God of War. Et je prends aucun plaisir dans la frustration. Ouais non mais je sais qu'avec un plus up niveau j'y arriverai mais c'est con parce que je jouerai pas forcément mille fois mieux tu vois, je ferai sûrement la même chose, j'aurai sûrement les mêmes petites erreurs. Frustrant. Bon surtout qu'en plus il faut que je retourne voir la tortue là, putain il est minuit déjà. Allez je vais voir la tortue, histoire d'avoir un cadeau, pas la tortue, la montagne. Et on se casse. On arrêtera pour ce soir. Bon, l'effet du Bifrost à chaque fois, c'est quand même la teuf. Hein. Bon, et encore, l'effet où tu retournes à Midgar, c'est le moins réussi, je trouve. Moi j'aime bien ces petits faits kitschoui là qu'ils ont pris pour la DA du jeu globalement. Bon c'est ça hein, j'avais vu. Objectif, carte. Ouais c'est ça, sans fermer l'œil. C'est sous la bouche, je sais pas quoi là. Alors c'est toujours bien d'avoir des stuff légendaires et tout, mais les bonus de set, c'est une très mauvaise idée. C'est vraiment pas... Voilà, c'est ça, Yol. Exactement ça. Bah non, mais en faisant l'histoire principale, j'aurais le niveau à un moment donné, mais... Et je m'en sentais pas incapable, quoi. J'espère que le truc revient automatiquement. Ouais. Ah, il faut que je le rappelle. J'ai pas un bouton pour le rappeler le truc ? Je comprends pas. Ah merde, y a pas de levier. Oh, faut que je passe par le chemin normal. Oh là là. Débile ça quand même. Bah, je préfère largement ce gameplay, Ugu Grao. Je veux dire, c'est sans commune mesure pour moi. Mais ouais, c'est vrai que le côté RPG, c'est vrai que tu vois, plus ça va, plus tu vois les mêmes petits soucis qu'il y avait dans Darksiders 2, effectivement. Je suis assez d'accord avec Camille Lane.
C'est pas ça que je voulais faire. Ah oui, tiens, voilà, regarde, je peux faire ça. Ça te prie. Veux. Ah oui, il y a un méchant. Encore ? Ouais, enfin. Ils sont où les ennemis ? Allez, de l'acier massif, ça c'est bien. Je peux toujours rien en faire, ok. Non, ça va, je trouve que Atreus, il est cool comme perso, je l'aime bien, moi. Sens un peu sympathique pour lui, quoi, tu vois, c'est fait exprès, mais... Je veux dire, il a quand même un père, c'est pas facile, quoi. Après, bon, c'est une grosse brute, hein. Je veux dire, je sais pas quel âge il a, mais... Tu vois ce qu'il fait... Laisse tomber. C'est... Je crois que c'est là. Non mais les notes c'est pas... À chaque fois qu'il y a un gros triple A comme ça, la presse s'emballe. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'effet... d'effet de groupe géant. Ouais. Donc c'est pas très important. Par contre j'ai pas lu, encore une fois, ce que je disais à chaque fois, j'ai pas lu toutes les reviews. Je reste curieux de certains trucs. Et ça là, la bouche machin là. Truc rouge. Ah ouais, bah je peux y aller alors. Ouais, je vais partir. Boy sur 20. Ouais, je pense que c'est la bonne note. Salut, Captain. Voilà, c'est un bon jeu, mon canon. Non, mais honnêtement, moi, la note, ça me... m'en fout. À titre perso, quoi. À titre pro, bah, Pouillot avait raison, quoi. Bon, en général, je suis d'accord avec lui, donc ça me choque pas, hein. Ah bah voilà. Yes. Catalyseur glacial. Il permet d'améliorer le charme des tempêtes infinies. Wow. Qu'est-ce que c'est? Feuille de fureur. Réduit de 15% le coût de rage lors des attaques en rage spartiate. Ok. Ah et ça commence à causer là un peu les objets qu'on trouve. Non, par contre, la discussion pour savoir s'il mérite plus ses notes que Zelda... Il est trop tard, il est trop tard, là. J'ai la patience de supporter ce genre de truc. Comment je fais pour l'attraper, par contre? Attends. Ne dis pas que... Il est où, le truc, là, qui grille? Non, fallait que je tire de... Fallait que je tire d'à côté, c'est ça? En dessous? Je
Et là, le manche s'enflamme. Rapproche quand tu veux, boy, là. Mais... bon bah c'est reparti pour une phase de gameplay passionnante. Noter le gameplay. Hein. Je peux pas noter le gameplay. Je peux pas noter l'IA non plus. La courbe de progression, tu la notes par rapport à quoi? It's too late now. Eh bon, vas-y vers ça. Ah ouais, non, mais tu vas t'éclater, Ricorien. Ah, moi, je sais que je le trouve vraiment cool. Hein. Bien sûr, des trucs qui me saoulent, mais franchement, comparé au reste, c'est minime. Non mais les notes en fait, techniquement, c'est juste un indicateur pour les gens pour qu'ils puissent acheter le jeu et puis qu'ils puissent se rassurer quoi. C'est... alors aujourd'hui ça sert pas à grand chose. Ça sert aussi à payer les développeurs, à leur donner des bonus et à payer les agences de relations presse. Mais bon, d'un point de vue, on va dire, dès qu'on parle à des gens qui connaissent un peu le sujet, jeux vidéo, etc. et qui s'y intéressent, une note... ça sert plus à grand chose, vous n'avez pas besoin d'une note pour savoir si un jeu est bon ou pas, vous savez vous faire votre propre idée. Si vous aimez pas un jeu qui a une bonne note, vous savez très bien pourquoi. On va le ramener en bas, ça sera plus simple. La note, c'est l'illusion qu'on peut donner un avis objectif, ce qui est débile. C'est pas possible. Mais par contre, on peut critiquer un tas de choses, on peut discuter d'un tas de choses sur le jeu. Il y a des tonnes de trucs qui sont intéressants à voir. J'essaierai de vous faire une vidéo peut-être plus d'analyse, sans parler forcément de trucs que vous lisez à droite à gauche dans les tests. Ça vous changera peut-être un peu. Et moi, ça me changera aussi comme exercice. Parce qu'après, bon, à titre professionnel, voilà, comme je vous dis, hein, moi quand je fais un test, bon bah... bon. Je fais des tests pour GK, je pense que j'aurais très probablement mis la même note que Puyo, mais je l'ai pas terminé. J'ai rien vu jusqu'à présent qui méritait de craquer le 9. Donc alors normalement je peux améliorer des trucs du petit là. Non, ça c'est 45 000. Ah bah oui, mais non, du coup maintenant ça coûte trop cher ça. Ça c'est de l'or qu'il me faut, mais en fait ça me sert à rien. J'ai un talisman rare. Oh, that's fine. Oh. J'avais pas chopé genre un espèce de truc de ouf ouf là. J'ai halluciné. Ah oui, voilà, œil de fureur. Réduit de 15% le coup. Ouais, d'accord. Des attaques de rage, c'est pas mal quand même. Hein. Ouais. C'est plus intéressant. Ah bah ça y est, je suis passé niveau 4. Non, rien qu'avec ça, je m'en sortirais mieux avec le... je m'en sortirais mieux au combat de tout à l'heure alors que j'étais 3. Bah je vais pas le refaire maintenant. Je pense qu'on va aller se placer juste avant la quête principale. Udo. Ouais, c'est possible, Ricoré. Bon, le fait que tu connaisses quelqu'un sur un jeu, tu sais, un jeu gros comme ça, son impact a... ouais, je veux dire, il doit être relativement quantifiable, quoi, donc... ouais, ouais, bien sûr, hein, tu peux avoir des armures complètement différentes, hein. Moi je suis resté sur le look global qu'il a depuis le début du jeu, et c'est pas du tout obligatoire. Merde, j'avais pas pensé à ça.
yourself. Ah merde, ah ouais, niveau 7, ok. Voilà. Bah, ils essayaient de justifier ta progression par ça. Ouais, j'ai plus l'habitude de... Ouais, pardon. Ah, c'est cool. Donc il faudra que je retienne que j'ai un truc à choper ici. Comment ça? T'as chopé la... Ah d'accord, je croyais que c'est ça qui veut le lire. Ok, eh ben écoutez, on va en rester là pour ce soir, on aura vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup avancé aujourd'hui. Demain, je pense qu'on fera peut-être un peu dans l'après-midi, mais je vais prendre le mardi et mercredi soir. Donc je serai pas là à ces moments-là. Et puis, mais de toute façon, comme je dis, hein, on va le terminer, j'imagine que je pourrais peut-être le terminer ce week-end. Si je joue encore des grosses sessions comme ça, là, ça devrait pas non plus durer des heures et des heures et des heures. Et bah comme d'hab, si vous voulez regarder les VOD, c'est tous les jours à partir de midi sur la chaîne YouTube. Je crève de chaud. Donc je vous souhaite une bonne nuit et à très bientôt. Salut à tous. Ciao.